Bonjour à tous et bienvenue sur Nature TV. Une polémique qui grandit de jour en jour. Après la taxe carbone, la taxe pétoire? En effet, à l'initiative de Jean-Louis Boisdelot, notre ministre de l'Environnement, une nouvelle taxe complémentaire à la taxe carbone devrait voir le jour très prochainement. Cette contribution, qui toucherait tous les éleveurs, serait calculée sur le nombre de gaz méthane échappés par les ruminants. Un compteur de flatulence serait installé à l'arrière de tous ces animaux afin de comptabiliser le nombre des échappements. Le taux de contribution serait de l'ordre de 5 à 8 centimes d'euros par lâcher. Les résultats seraient envoyés directement par satellite au ministère du Développement durable. Notre ministre de la Santé, Rosine Baloche, aurait déjà commandé 11 millions d'appareils qui seront distribués gratuitement à tous les éleveurs. Un point positif tout de même, de nouveaux emplois de contrôleurs méthane seront créés. Bienvenue en ces temps où le chômage ne cesse d'augmenter. Les circulaires sont déjà parvenues à tous les éleveurs qui manifestent déjà auprès de leur syndicat. Notre envoyé spécial, Michael The Good, a réalisé pour Nature TV un reportage sur ce sujet très controversé. Il s'est également rendu chez M. Daniel, éleveur, à Méry-sur-Cher, qui a déjà trouvé la parade à cet impôt qu'il n'a pas l'intention d'honorer. Tout de suite, notre reportage. Tous ces animaux qui gambadent dans nos prés paraissent bien sympathiques. Mais détrompez-vous, ces ruminants sont en réalité de terribles pollueurs de notre planète. Il suffit pour le constater de s'équiper d'un caméscope avec filtre à détection méthanique et d'un micro-canon longue portée directionnel ovoïde pour s'en rendre compte. Regardez plutôt ces images qui parlent d'elles-mêmes. Bonjour Monsieur Daniel, je crois que nous arrivons à temps. Vous semblez être en plein travail de remplissage. Comme tu vois mon gars, je suis en train de remplir ma citerne écologique avec les flatulences de mes bourricots, dis donc. Et puis là, dans la berouette, tu vois, c'est toute la production de la semaine. D'ailleurs, dites donc, c'est une vraie usine votre station de récupération là. Non, c'est tout simple, tu vois, 300 litres qu'a tient ma citerne écologique. Avec un embout de remplissage pour réceptionner le méthane, un clapet en tire-tour pour pas que ça me saute dans la gueule, une soupape de sécurité avec un manneau détendeur et puis un robinet en bas avec un tuyau pour alimenter directement la gazinière. Ben oui, pendant que vous y étiez, je vois que vous en avez installé un sur votre chien. Ben oui, du temps que j'y étais, j'en ai fait un pour le moustique, mon chien de berger. Pas pour récupérer le méthane, non. Mais le cochon, il nous empoisonne à la maison. Un désodorisant par semaine qu'on économise. Dites-moi pas que vous pouvez faire cuire vos aliments avec ce gaz de récupération. Ah si, je vais te montrer que ça marche. Et 4,20 francs que j'économise par mois sur le butane. Ah c'est vrai que ça fonctionne parfaitement. Alors c'est donc avec ce matériel que vous récupérez tous les gaz. Ah oui, je les ai nettoyés ce matin. Des fois il reste un peu de crottin dans le tuyau. L'entonnoir, je le colle au cul de mon bourricot avec un adhésif étanche. Un tuyau que je monte sur un clapet en tire-tour. Un ballon McDo. Et tout ça, ça marche impeccable. Bon, puis alors le petit à côté, là, c'est celui qui équipe votre chien moustique, ça. Ah, bah oui. J'ai remplacé l'entonnoir par un canule. Pas besoin d'adhésif. Ça tient tout seul. Et puis, ça pourrait bien servir à d'autres. Bon, c'est pas tout ça. Faut que j'aille finir de remplir ma citerne avant la soupe. Allez, salut. À bientôt. Alors surtout, ne zappez pas, Nathalie vous propose de suite un reportage réalisé dans le canal du Berry sur la pêche au goujon à la trousse culotte. Bonsoir, à bientôt, à vous les studios.